Voilà, ça parle de vacances. Et comme on dit, les vacances, c'est permis pour tout le monde. Et moi, j'ai l'habitude d'aller en vacances chez Charlotte. C'est un petit pays perdu. Mais alors, on s'y trouve une merveille. Et quand on est là-bas chez Charlotte, on joue les boules, le billard, les cartes, tout ce qui s'ensuit, la bolotte, surtout la bolotte. Et elle me voit arriver, elle m'a dit, c'est pas possible. Je dis, eh oui. Et il y avait quelques collègues qui me regardaient, m'ont dit, oh Garrigue, tu sais, c'est une belle chose, une présence. Et Charlotte me dit, écoute, rappelle-toi, quand tu venais, tu me chantais le paradis de la bolotte. Alors je la vois venir et je dis, écoute, je veux bien essayer, mais tu sais comment on dit, les années passent. Ma foi pour les paroles, on s'en fout. Et là-dessus, je dis, il ne se passe, oui, jamais rien. Au paradis de la volonté, en voyant tous les copains qui rigolaient, j'avais Charlotte. Il ne se passe, oui, pas grand chose dans ce paradis perdu. En voyant tout mille choses, moi qui croyais avoir perdu, on vit sa vie sous les platanes, voir tout son cœur, ses jolies femmes. Il ne se passe, oui, jamais rien au paradis de la volonté. Parisien, que pensez-vous des gars du midi? Moi, monsieur, vous le savez très bien, ce que l'on dit vient du midi. Il ne se passe, oui, pas grand-chose au paradis perdu. En voyant toutes les choses, moi qui croyais avoir perdu. Et là-dessus, je dis, si Dieu le veut, Charlotte, à l'année prochaine. Et je dis bye bye à tout le monde et merci encore une fois, Garrigue. Allez.